Mind, je suis un saint, je rentre pas dans les politiques, je suis pas politicien, le premier région, le premier gouvernement, le premier depuis Mobutu, je rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi est dédié avec lui, je rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me... Quand on est en tu veux contenir ça à cause du président de l'Union. Même tu veux prêter l'argent pour contenir tout le travail. Ça, c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple de Congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici, de 1975, à l'unité 6e rue. Jamal. Depuis 30 ans, même pas descendu au Jamal, pour ceux qui descendait choisir des marchandises, il a fait accident et le mort. Regardez mon passeport, si j'ai descendu depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect, avec grand respect. Monsieur le Président, à cause du Président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Kamerov. Tu me comprends? J'ai reçu deux contrats. À peu près 150 millions de dollars. À peu près plus moyen. Tu me comprends? Mais comment? Moi j'ai fait une corruption. Quelqu'un m'a donné 150 millions de dollars de projet. Je vais donner un terrain, le serpent de 3 mètres là-bas, pour lui, ça c'est honte pour moi. Ça c'est honte pour moi, vous-même vous le savez. Et Dieu témoin, je connais mon même pas sourire. Je suis innocent, il y a les gens contre les actes projets pour le président, il y a les gens, ce soit qui Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les actes projets, c'est des jalousies. Je vous remercie beaucoup, je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail des plus brefs délais. Je vous remercie beaucoup. Merci. Madame, acte que, ayant la parole en dernier, le prévenu Jamal a clamé son innocence et sollicité donc son acquittement. Prévenu Kamere, vous avez la parole.